grâce que bon Dieu fait nous pour être capable de prêcher la parole. Alors nous toujours voulons dire bon Dieu merci parce que il permet à ce que nous sommes capables de faire ça. Et nous dit que c'est bon qui est facile. Il montre nous ça dans ce Québec, il montre nous pour nous prendre le temps pour nous préparer le message. Alors l'ouvrir le livre avec moi. Dans 1 Corinthiens 9. La lit seulement et première partie dans verset 7 là. On dit verset 7a. Et vous finissez la première partie, nous finissons. Message, c'est petit message, le soldat de Dieu, le vrai boursier. 1 Corinthiens 9, verset 7a. Si vous jouez, n'appliez comme ça. Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frères? Est-ce qu'on jamais tenté un soldat et un goumet pour se faire des pensions? Et c'est ça que nous parlons avec. Je dis à nous, l'objectif nous, c'est arriver à faire que ou ouais. Arriver pour comprendre et accepter que il y a un monde qui est converti, qui est soldat, mon Dieu, tout frais payé. Amen. Pas rien sous l'eau, tout frais payé. Oui, amen. Et le fait que nous dit le soldat de Dieu, le vrai boursier, nous avons commencé le message là pour nous présenter bourse, qui ça veut dire? Comment on définit bourse? Dictionnaire définit bourse trois façons, au moins. Première façon, bourse signifie un petit sac. Côté monde, mettez l'argent. Et c'est ça que ouais, monsieur, toujours bien pour son poche, puis on met des coques, puis on met des pièces. Et mesdames, yo, si tellement ouais, on y a bourse là, trop ici, il y a des gros valises. Puis on met des poudres, puis on met des glaces, puis on met des parapluies, tout pareil. Parce que ouais, bourse là, son accompagnement, que y est hyper capable. Deuxième signification bourse là, c'est une pension. Les gens pension, c'est des frais que vous payez pour le monde. Des frais de logement, des frais d'études ou services que vous apprenez. Ça, c'est une pension que vous ne pouvez pas payer ça. Deuxième signification. Et troisième signification, vous gagnez, il signifie un édifice. Un lieu côté que vous faites des opérations financières sous valeur que vous payez. Et là, ça, j'écris en majuscule, B majuscule. Et c'est ça que vous avez dit, la bourse de Paris, la bourse d'Haïti, leur donner vous carrer le ministère des Finances, la bourse d'Haïti. Donc ça, c'est la signification. Mais le message du matin, la Chita sous deuxième signification qui dit, c'est une pension pour bail monde pour payer quelque part. Et le fait que nous dit le soldat de Dieu, le vrai boursier, si il y a un vrai boursier, il y a un boursier qui va courir. Donc, avec la main, il y a deux précédents dans le message. Le soldat de l'armée humaine et sa bourse, le soldat de l'armée divine et sa bourse. Après, comment les hommes traitent les soldats, qui savent payer pour eux, et deuxièmement, après, comment bon Dieu traite les soldats, qui savent payer pour les soldats. On a dans le premier point qui dit le soldat de l'armée humaine et sa bourse. C'est qui précise les hommes gagnent pour qu'ils aient des bourses. Comment les hommes octroient des bourses à moun que vous voulez des bourses? Et puisque on a parlé de soldats de l'armée, n'a pas vu comment y a un moun qui a vu un soldat d'abord avant que vous recevez la bourse que l'armée a fait. Ils ont trouvé d'abord enroulement du soldat. Pour un moun qui a vu un soldat, il faut enrouler. Mais qui condition les hommes payent pour accepter moun vu un soldat? Après que vous avez choisi dans qui l'armée la parler, identifié quoi que la parler là-dedans, il doit préparer toutes pièces qu'il a besoin pour l'entrer dans la maison. Les hommes ont demandé pour préparer un certificat de bonne vie merci. Pour vous avoir, est-ce que son monde a fait entrer dans la mer? Ils ont demandé pour préparer un certificat de santé. Pour vous avoir, est-ce que physique est bon? Est-ce que santé est correct? Ils ont demandé pour garder l'esprit. Et l'homme préparé toutes pièces. Ou bien esprit, ou commencer à gagner un pied dans la vie, parce qu'on vivait ainsi. Et nous, ça en Haïti, les gens ont parlé dans la police, ils ont mis au campé nos lignes, dans le soleil, et tout le monde qui a passé a dit, même dans la police, ils ont déjà commencé à se miser. C'est ça, parce que
entrer dans l'armée, il y a une pile de difficultés pour les hommes. Et l'arrivée inscrit, il y a une épreuve, il y a un examen qui est fait, examen intellectuel. Yo regardez, est-ce que niveau mon nom que vous besoin ou gagner? Est-ce que facile à utiliser mon nom ou gagner connaissance assez ou gagner compétence assez ou ça que vous avez utilisé ou voulez? Il faut faire un examen. Et si vous arrivez à passer l'examen, ça, encore, ou presque entrer dans l'âme. Après qu'on finit inscrit ou passer dans l'examen, les hommes demandaient pour capable passer un temps dans un camp d'application dans une base militaire pour capable recevoir bon enrôlement qu'ils ont besoin. Parce qu'il y a pas une forme ou une façon que vous voulez, il y a pas une principe que vous voulez, et là, ça va passer environ 3 à 6 mois pour capable recevoir formation. Et en plus, le mec, il n'y a pas qu'à aimer. En plus, le mec, il n'y a pas qu'à aimer parce qu'il n'y a pas de dur, il n'y a pas de primaire, trop de difficultés. En plus, le monde quitte, il n'y a pas qu'à être soldat. Et l'on qui rete yo, il y a une cérémonie qui est faite. Yo dit, n'a pas sauvé toute famille yo, pour yo ka visite yo, pour yo ka grandir yo, et puis yo demande pour soldats ça pour un engagement. Engagement ça, c'est pour permettre à ce que vous respectez tout principe, règlement intérieur que la mère a gagné, pour yo faire sûr que le travail va faire, ou qu'on aime bien et on va défendre yo bien. C'est ça que vous faites. Vous faites pour respecter, ou assermenter pour dire, moi je vois formation pour me servir la messe à toute force, à toute langue. Et immédiatement, vous faites ça aux soldats. Vous avez un certificat aux soldats. Et c'est à partir de là qu'on est là, puisqu'aux soldats, vous avez joui de bourse que vous préparez. Nous avons la jouissance de la bourse donnée par les hommes à leurs soldats. Maintenant, pour nous voir ça, nous avons deux bagages. Nous avons qui avantage que les hommes payent. Comment les hommes traitent les soldats que nous avons. Et dans les cœurs qui ont pile l'armée sur la terre, ou d'accord avec moi que nous ne pouvons pas parler de toute l'armée en général, nous ne pouvons pas faire ça. Et nous ne pouvons pas parler de traitement que tout soldat recevoir. Mais nous pouvons permettre à ce que nous ayons un échantillon de l'armée et un échantillon de soldats. Et ma fait ça suivant des informations que yon expert indépendant, yon consultant dans la gestion financière et contrôle en Allemagne, les bails qui ont été Stephen Mueller. Mais comment monsieur présentait façon que l'armée américaine vient à prendre comme exemple et aux soldats américains, façon que yon équipé aux soldats. Parce que l'avantage yon commencé dans l'équipement qui a fait soldat. Stephen Mueller dit que les soldats américains, les balis comme boursiers, les lunettes qui ont les lunettes monoculaires de vision nocturne. Pour qui ça? C'est pour même si la nuit il fait noir, soldats qui pourraient te pousser la journée. Et vous payez les lunettes pour soldats, 3240 dollars américains. Les bas soldats, les gilets barbales. Et gilet barbal ça, pour protéger lui, il coûtait 3145 dollars américains. A que tout l'autre actif pour les casques, bottes, uniformes. Monsieur dit que, dans la première guerre mondiale, l'équipement qui était par un soldat américain, il était coûté 170 dollars américains. Mais quand il y a ça, l'équipement ça passait à 24 280 dollars américains. Il a dépensé pour un soldat pour l'équipement. Et ça, c'est en 2006. Monsieur dit que tendance là, c'est que montant ça a triplé au fur et à mesure. En 2012 là, c'est sûr que montant a triplé de 24 280 43 fois plus. Pour qui ça? Parce que exigence au plus, il y a plus de batailles qui fait, il y a plus de façons qui sont capables d'avancer vers l'autre armée, il y a besoin de technologie à avancer, il y a besoin de au pas. Il y a pas de soldats américains qui en Afghanistan ont un véhicule qui coûtait 31 000 dollars américains, qu'on y a là coûté 225 000 dollars américains. Il y a un soldat américain qui coûtait le gouvernement américain en Afghanistan pour construire, pour manger, pour débriter tout déplacement libre, environ 250 000 dollars américains. Mais comment les hommes ont dépensé l'argent pour un soldat? Et
l'armée américaine gagnait, selon Stéphane Mueller, environ 1 450 689 personnes qui actives dans l'armée américaine. Regardez, j'avais que un budget de environ 600 et quelques milliards de dollars pour entretenir les forces de terre, les forces de mer, les forces de l'air, etc. À part de ça, il y a un soldat américain, selon Stéphane Mueller, il y a une bourse de 80 000 dollars américains. Pour qui ça? C'est pour faire parce que s'il voulait payer études libres, ou bien s'il voulait utiliser à d'autres fins, pendant 4 ans depuis qu'il a certains engagés la caméra, il y a ça comme l'argent pour utiliser. Mais comment, frère Maxime, un soldat américain a joui de yon bourse, yon payé par ça pour lui, et a dépensé quantité d'efforts pour lui. Non seulement yon gagne un avantage à yon, mais yon gagne des privilèges qu'il recevoir. Yon monde qui soldat, quel que soit soldat hier, par la source soldat américain, depuis un moment ou presque a dit ou peut pour ça. Pour qui ça? Parce que les gens qui ont une expérience, les gens qui ont une partenaire à l'équipe, ont une importance, ou presque dit que les gens sont des gens qui ont fait n'importe quoi et personne ne peut pas demander compte. C'est un privilège. Deuxième privilège, ils ont bénéficié de ça que vous avez protection. Nous sommes en 79, il y a environ 11 ans. Nous avons nos amis qui étaient partis dans l'armée américaine. Nous avons une grande équipe qui est en Haïti, nous sommes retournés. Mais allez comme ça, les militaires haïtiens ont demandé pour tout le monde couper les cheveux. Pourquoi ils ne doivent pas les cheveux dans la tête? Des vrais monsieur et chers militaires, monsieur et une famille qui était directement par rien pour eux, en face, presque en face comme ça, et monsieur a fait entrer sorti en deux cas là, et les militaires qui n'ont pas ça, ouais monsieur. Je dis, mais on est capable de choloquer nous. Comment nous faisons si vous ne pas vos cheveux? Et puis on est capable de passer devant nous avec vos cheveux. Monsieur fait cœur, il mettait les baguettes dans la tête, et puis cheveux au haut. Mais là, les regardez, monsieur, elles sont bon grimaud, et on est, je dis, mais next ça, vous créez pas vite avec gros marques pour le prince. Nous ne pouvons pas approcher comme ça. Il y a autant que monsieur traverse les barrières, il y a quoi monsieur, il y a qu'un mec. Je dis, mais est-ce qu'on va attendre que l'armée d'Haïti dit, vous ne pouvez pas avoir vos cheveux? Mais, en tant que soldat américain, monsieur était marché avec un appareil pour communiquer avec base. Parce que c'est permission qu'il demandait pour venir enterrer. Monsieur fait contact, les États-Unis font contact avec Haïti, ça c'est monsieur personnellement qui a dit ça. Et Haïti fait contact avec le colonel qui est ici, il est là, le colonel a dit, tant pis, s'il vous plaît, la guerre, mon ça au moins, c'est un soldat américain. Comment ça veut dire? Un soldat américain, c'est seul les États-Unis qui a jugé. Quel que soit côté passé pour bagaille, c'est seul les États-Unis qui a jugé. Mais comment les hommes prennent soin pour qu'ils aillent militaires et boussent, pour qu'ils payent par les pour qu'ils aillent au privilège. C'est ça le fait. Mais qui fait jour qui caractéristique que boussent à les hommes américains? Caractéristique que boussent à sont boussent qui partielles. Ça veut dire que ce n'est pas tout le bagage qu'ils payent pour vous. Ils ont payé quelques bagages, mais ils n'ont pas payé tout le bagage parce que les hommes payent tout le bagage. Boussa, comme ça, il y a comme caractéristique irrelative. Pour qui ça? Nous dit irrelative. C'est parce que ils ont gagné pour vous, mais c'est à partir de quelle condition? Si le pays a une récession, il a diminué Boussa. Et si pas de croissance économique, si vous-même pas de capacité physique ou pas de faire travail là, il a retiré Boussa. Ça, c'est une bourse qui est relative. Et troisième caractéristique que vous avez, c'est une bourse qui est temporelle. Si vous n'avez pas l'air mort, bien dans l'eau, vous n'avez pas joué. Et si vous mourrez même, vous n'avez pas joué. Et c'est une raison qui fait malgré les soldats américains, il y a toute bourse, toute l'argent qui est dépensé pour eux. Il y a plus de soldats qui suicident des têtes. Parce que la situation n'est pas bonne pour eux que les gens qui mourent sur le champ de bataille. Et Stéphane Mueller dit qu'il y a un pourcentage de 149 soldats qui mourent sur le champ de bataille contre 334 soldats qui suicidaient. Comment se fait-il? Bousque les hommes payent par retirer stress. Bousque les hommes payent par faire soldats à l'aise. Oui. Mais les gens qui payent bousque, la paye explique là. Après, ils ouais, là, ils payent bousque là. Qui j'en veux traiter soldats. Et ça fait après. Deuxième point. Le soldat de l'armée divine.
et sa bouche. Ou d'accord avec moi que vous avez des informations, je vais vous lire le passage, parce que vous avez des informations pour me débattre. Je vais vous lire le passage. Vous avez des bons dans le papier, mais vous avez des bons le passage avec moi dans la deuxième partie. Nous avons eu la même schématisation. Nous avons eu des principes divins d'octroi de bourse. Comment bon Dieu lui-même il va bourse? Comment bon Dieu lui-même il dit pour yon moun jouen bourse dans main leur soldat? Mais ça arrive. Même schéma, les hommes demandent pour enrôler, ils suivent sous mon Dieu parce que mon Dieu demande pour enrôler. Mais c'est qui condition mon Dieu veille pour yon moun qui a enrôlé dans son soldat avec là? Bon Dieu dit seulement depuis yon moun expérimenté la conversion chrétienne. Depuis yon moun converti, ou gagné ou habilité pour capable recevoir bourse que mon Dieu a baillé. Et il explique clair dans le Colossiens 1er verset 12 à 14. Il montre que les hommes convertis ont habilité pour recevoir ça pour Dieu. Amen. Et les hommes demandent pour une base militaire pour aller, pour faire inscription, pour déposer pièces. Bon Dieu dit, je n'ai pas une base spéciale. Quel que soit le côté de l'évangile là, et pour recevoir, ou déjà pour. Amen. Que vous recevez la caille, que vous recevez dans l'église là pour prêcher, que vous recevez n'importe côté. L'essentiel, c'est dans l'évangile, converti et pour soldat. Amen. Ça. Et les hommes demandent pour nous garder une condition physique, pour nous de bonne santé, pour nous garder en forme physiquement. Mais mon Dieu dit, même si vous paralysé, même si vous aveugle, même si vous jeune, même si vous vieux, depuis que vous recevez la conversion chrétienne, vous êtes soldat. Et ça le dit. Amen. Et vous déjà intégré dans l'armée. Ah. Mon Dieu dit que soldat doit être engagé. Et l'engagement que soldat a pris pour moi, il va poser des questions. Mais il n'y a pas de enrôlement pour dire que nous avons un camp d'application, mais une base militaire pour nous enrôler. Ou quand dit que je ne vais pas prendre des armes, je ne vais pas habiller militairement. Comment un chrétien sont soldats? Réponse là, c'est oui. Chrétiens sont soldats pour plusieurs raisons. N'a pas deux d'eux. Première raison, c'est que la Bible dit dans Psaume 46, verset 12. Il dit, l'éternel des armées est avec nous. Amen. Donc si la Bible dit, l'éternel des armées, c'est que nous nous conduisons à ces soldats. Oui. Amen. Il clair. Parce que chef là, nous nous conduisons à ces soldats. Oui. Donc ça, c'est clair que les chrétiens sont soldats. Amen. Deuxième fois qu'il nous dit que les chrétiens sont soldats, c'est parce que dans 2 Timothée, nous avons oublié avec nous, 2 Timothée 2, verset 3 et verset 4. Ça, vous pouvez commencer à lire ça avec moi dans 2 Timothée 2, verset 3 et verset 4. Ah. Si vous joignez, on allait comme ça, 2 Timothée 2, 3 et 4. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. La Bible dit pour souffrir comme un bon soldat. Et bien c'est parce que la Bible connaît, bon Dieu connaît nous-mêmes des soldats. Et la Bible claire, si la Bible dit ça, vous devez accepter que vous-même soyez un soldat. Amen. Et bon Dieu fait ça, c'est pour parce que il utilisait des images pour comprendre facilement, pour y présenter une réalité spirituelle. C'est ça que je fais. Et ça que vous chantez, même si je ne suis pas à côté de qui. Même si je ne suis pas des âmes, même si je ne suis pas tiré visionnaire, moi je connais c'est un soldat spirituel, je ne suis pas un soldat matériel. Amen. Et chrétien qui soldat, même si les hommes ont demandé pour engagement, bon Dieu dit pour engagement. Et engagement soldat ça, bon Dieu m'a demandé pour engagement pour appliquer par moi. Il m'a demandé pour engagement pour respecter ça la Bible dit. Il m'a demandé pour engagement pour amener une vie chrétienne de victoire. C'est ça que je demande seulement. Engageons pour faire ça, la Bible dit, ou je sers ta parole dans mon cœur, ou dois quitter mes paroles de Dieu dans mon cœur. La Bible dit, c'est parole de Dieu qui te dirige, ou dois quitter parole de Dieu. Parce que vous-même, c'est un soldat de Dieu. Il faut montrer nous que nous-mêmes qui convertis ces soldats, même je les hommes de mes tous, bon Dieu dit à tous soldats, nous les pousses. Bon Dieu dit à tous les soldats, les hommes qui ont payé pour les soldats, moi-même tout, je vais tout payer pour. Amen. Et ça, quand la passage dit, est-ce
Est-ce que j'aime entendre un monde entrer dans l'armée pour se libérer dépenser? Les hommes pas dépenser tout, mais bon Dieu paye tout. Amen. On nous a la jouissance de la bourse de Dieu. Comment un soldat, bon Dieu, qui a joui bourse de mon débat? Songez que pour soldat jouir pour cela, il faut être sur le champ de bataille. Amen. Amen. Mais nous-mêmes, c'est qui champ de bataille que nous gagnons? Est-ce que nous avons le même champ de bataille avec vous, avec notre soldat? La Bible explique nous ça dans Éphésiens chapitre 6. Il dit qui champ de bataille que nous avons. Nous allons dans Éphésiens chapitre 6 pour nous avoir champ de bataille que nous-mêmes, bon Dieu, gagnons pour nous comme soldat. Côté là avec nous. Dans Éphésiens 6, verset 12, mais ça dit. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ça veut dire que champ de bataille, nous, c'est pas une bataille croix qu'on a fait, parce qu'il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et si la Bible dit lutter, c'est que nous nous bataillons. Et bataille ça, c'est une bataille spirituelle. Il va en bataille matérielle, parce qu'il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et il dit la bataille pour même, c'est la vie chrétienne, c'est lui qui chante de bataille. Amen. De même, on convertit, la vie chrétienne, c'est chant de bataille. C'est à partir de la vie chrétienne qu'on va y gourmer avec l'ennemi que mon Dieu baille. Et frère Samuel, n'a pas eu un avantage, puisque c'est au bout que mon Dieu baille. C'est dans la vie chrétienne, n'a pas eu lui ça. On nous voit qui avantage. Même si les hommes ont des avantages, c'est qui avantage que mon Dieu baille nous-mêmes comme boursiers, nous qui va payer. Rien. C'est vrai, soldats sont différents. Soldats des hommes, soldats de Dieu, nous différents. C'est vrai, champ de bataille est différent. Son bataille corps à corps pour l'autre armée, c'est des soldats physiques, des terrains physiques, c'est vrai, aux différents. C'est nous-mêmes nos terrains spirituels. C'est vrai, l'ennemi est différent. Soldats humains, et l'autre soldat, l'autre armée physique qui contre eux. C'est vrai, tout ça est différent. Mais l'équipement que vous avez baillé nous, la différent à l'autre soldat. Amen. Zam que n'a pas utilisé au format de il y a différent. Il n'y a pas de même zam que soldat ou gagné. Et ça fait dans 2 Corinthiens 10, verset 3 et 4, il dit, si n'a pas marché dans la chair, nous ne pas gourmer selon la chair. Parce que zam yon nous besoin, il n'y a pas charnel. C'est zam spirituel, c'est zam qui puissant, c'est mon Dieu qui fait. Nous ne pas gourmer et pour nous renverser toute forteresse, toute l'armée, tout le monde qui vient contre nous. Et ça, mon Dieu dit. Amen. Et ça fait la paix du c'est qui zam. C'est qui équipement, mon Dieu, qui peut payer pour nous. On regarde pour nous voir qui est zam. N'a pas de dans Éphésiens 6, n'a pas de verset 13. Verset 13, il vient dans verset 18. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit, tenez donc ferme. Ayez arboré la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice et mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Il dit prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il dit prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Mes amis. Amen. Zam, l'armée ordinaire, charnel, yo physique, mais zam, pas nous, yo spirituel. Amen. Soldats, l'autre armée, yo, c'est ben yo ben zam. Yo ben zam que yo tableau utilisé. Même si vous avez utilisé 9 mm, depuis son 22 mètres ou pas gazaille. Parce que c'est bail à bord. Mais mon Dieu, ça dit. Il dit, René, soldat, mon Dieu, c'est lui qui prend. Zam que vous mon Dieu, il dit, prend. Quantité pour vous répondre, prend. Parce que mon Dieu dit, il va nous tout pareil. Il va limiter nous. Il va nous tout ça. Il va nous vérité. Pour saisir la cuirasse de la justice, le zèle de l'évangile, le bouclier de la foi. Il vend nous des armes spirituelles, il dit nous, prends. Où est son frère boursier? Amen.
On ne sait pas faire y a pour lui. On limite ça pour là. C'est propre. Un soldat, mon Dieu, c'est un vrai monsieur. Il va payer un rien comme ça. Il va payer aucun équipement. Mais il prend. Amen. C'est pas meilleur. Il choisit. Il prend tout ça il veut et quantité qu'il veut. Mais là, mon Dieu, il prend équipement ça. Il y a soin que vous. Mon Dieu, il y a soin que vous. Et soin que mon Dieu baille soldat, nous jouons ça dans Matthieu 10, versets 9 et 10. Matthieu chapitre 10, versets 9 et 10, pour nous voir comment mon Dieu lui-même il prend soin soldat. Matthieu 10, versets 9 et 10. Souvenez la Bible. Il dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunis, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Est-ce qu'on voit? Bon Dieu dit, il va dans la bataille, il va en quantité de sacs pour vous, c'est où qu'il prend, mais il dit, vous n'avez pas besoin de voter rien, vous n'avez pas besoin de voter l'argent, vous n'avez pas besoin de voter l'or, vous n'avez pas besoin de rien, parce que même manger, bon Dieu, déjà planifié pour vous, vous parler. Ça, c'est pour bagage joie. Alléluia. Bon Dieu, c'est un vrai Dieu qui a payé bon mousse, il va limiter. Et pour qui ça? Bon Dieu dit, la beauté pour nous avec besoin de beauté. C'est parce que dans Matthieu 6, il dit, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Amen. Il dit déjà, vous avez besoin. Nous avons besoin de fatiguer quoi, nous avons beauté au paquet de bagage. Parce que nous avons payé nos batailles physiques, nous avons payé nos batailles spirituelles, comme ça, mieux. Et mon Dieu fait ça, c'est parce qu'il connaît les hommes si tellement rêvent les bagailles matérielles. Si ils quittaient nous pour les bagailles matérielles, bien mon cabaye si tellement voulait ramasser les bagailles matérielles, il a oublié si bataille là, c'est une bataille physique. Il a dit combien ramasser, combien ramasser l'argent, combien ramasser manger, combien ramasser, ramasser. Et puis, il est arrivé pour y aller, il n'y a pas qu'à aller parce qu'il a ramassé les bagailles physiques. Bon Dieu va appeler, nous rentrer dans le bagage ça ici. Quittez ces mains de côté, nous mettons les deux mains vides. Moi, je vais porter tout le bagage. Je ne vais pas besoin de faire. Mais les soldats vont aller. Là, il n'y a pas besoin de manger. Il n'y a pas besoin de côté l'argent. Il n'y a pas besoin de côté rat. Il n'y a pas besoin de côté rien. Il a douté, il a inquiété. Il a dit, mais je vais comprendre, je vais dans la bataille, je vais dans la guerre, je ne vais pas rien. Et puis, bon Dieu connaît ça. Bon Dieu dit dans Matthieu 6, verset 31, regardez ce qu'il dit. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vertus. Nous avons besoin de dire qui ça n'a pas manger. Nous avons besoin de dire qui ça n'a pas eu boire dans cette bataille-là. Nous avons besoin de dire ça n'a pas eu m'aider. Bon Dieu connaît ça nous besoin. La bonne nous tout bagaille et la porte pour nous. Et ça clair. Dans Somme 73, nous songeons que chrétien a gardé ça l'autre monde qui va couvert, il n'y a pas malade, il n'y a bien, il n'y a caille, il n'y a terre, il n'y a tout pareil. Mais chrétien n'a pas rien. Et puis ça fait que chrétien devrait sentir qu'il n'y a pas à l'aise. Mais bon Dieu dit, dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça qu'il dit. Vous avez besoin de manger, cherchez premièrement le royaume. Vous avez besoin de l'or, cherchez le royaume. Vous avez besoin de l'argent, cherchez le royaume. Parce que par exemple, c'est matériel, moi je mets nos batailles spirituelles. Amen. Ça, frère, c'est la façon que mon Dieu équipe soldat et la façon que mon Dieu prend soin soldat. Mais soldat, mon Dieu, il est privilège, même gens, soldats humains, il est privilège. Premier privilège que soldat, bon Dieu a gagné comme boursier, c'est le privilège de la protection de Dieu. Amen. Pendant que soldat humain, il est contenté sur la quantité des âmes qu'il a gagné, la qualité des âmes qu'il a gagné. Pendant que il a chita sur l'équipement qu'il a gagné pour protéger. Pendant que il a regardé qui technique qu'il a gagné, qui expérience qu'il a gagné. Pendant que il a compté sur quoi peut-être pas pour protéger dans quelques dangers, pas dans tout danger. Bon Dieu lui-même il dit la protéger petit Dieu lui-même dans tout danger. Amen. Il va dans quelques dangers. Dans tout danger. Alléluia. Malgré que nous pas porter équipement,
Malgré ces bon Dieu côté, malgré bon Dieu dans nos âmes, malgré dans nos toutes bagailles, ils ne sont pas besoin d'inquiéter au moyen, c'est moi qui a protégé mon Dieu. Et ça fait dans Psaume 91, verset 10, il dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. C'est ça. Il dit pour qui ça? Et comment il a fait ça? Il dit le verset 11 là parce qu'il a déjà dit un jour pour protéger quel que soit votre Amen. Comment ça veut? Bon Dieu dit dans Psaume 51, verset 5, il entoure nous par devant, par derrière et mettez main sous nous. Pas de monde qui garde nous, pas de monde qui a côté nous, parce que nous cachons en bas de nos yeux. Et ça que nous-mêmes nous dit, chrétiens qui sont soldats, qui ont l'ange de l'éternel campé autour de lui, nous considérons même Jean-Jacques Béatif dans le bouillon grain de maïs qui nous monte. Même si l'armée vient, pour venir, et votre Seigneur, mais pour béquer, il va qu'à genoux. Parce que pour ton campé, il n'y a pas qu'à genoux. Bon Dieu, met des anges qui protègent. Ça, c'est le privilège de la protection de Dieu. C'est pour ça que Dieu protège nous. Amen. Amen. Deuxième privilège que Dieu va nous, c'est le privilège de la présence de Dieu. Présence de Dieu. On a dans Actes chapitre 18. On a lu verset 10. Dans Actes chapitre 18. On lit verset 10. Pendant que soldats humains ont livré à eux-mêmes, songez bien. Si l'armée américaine voyait un groupe de soldats goumé en Afghanistan, ils ont traversé un continent. Général l'armée, presque pas allé. Gros nègre, ils ont pas allé. Dans l'autre continent, ils ont pas allé. Soldats, ils ont allé. Même si il y a quelques chefs qui sont avec eux. Mais gros potes, ils ont pas allé. Ils ont chuté dans un gros écran, ils ont regardé comment ils ont fait. Ils ont pas allé. Mais mon Dieu, nous, ici, il ne peut pas quitter nous, aller nous seuls. Il doit être présent, puis voir comment la bataille a fait, et lui-même, puis vous mettre. C'est ça. Bon Dieu, dit nous ça clair. Non, dans verset 6, il dit, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Mais, bon Dieu présent, il dit, je suis avec toi. Amen. D'abord, le moment de la présence. C'est qu'il est, bon Dieu dit, présent. Je suis avec toi. Je suis avec toi, dit que mon Dieu présent chaque année. Je suis avec toi, dit que mon Dieu présent chaque mois. Je suis avec toi, dit que mon Dieu présent chaque semaine. Je suis avec toi, dit que mon Dieu présent chaque jour. Il dit mon Dieu présent chaque heure. Il dit mon Dieu présent chaque minute, chaque seconde, chaque pièce qui va je parle. Amen. Et ça veut dire. Alléluia. Et n'importe où tu es, mon Dieu présent. C'est vrai. Mais c'est pour qui raison? Pour qui ça, mon Dieu présent? Pour qui ça y est obligé là? Il va quitter l'année nous seuls. Il va dire, dans verset B, dans partie B, il dit, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. C'est pour aucun monde pas même qui a intention pour faire soldat, rien pour mettre mes sous. C'est pour ça, mon Dieu présent. Donc, on va se dire, nous-mêmes, nous c'est des privilégiés. De la protection de Dieu. Nous c'est des privilégiés de la présence de Dieu. Mais non seulement nous avons le moment de la présence, nous avons la raison de la présence. On nous voit pour qui ça est important pour mon Dieu avec nous. L'importance de la présence. Et c'est ça que Dieu dit, nous on l'avait dit dans Ésaïe 41, verset 10, il dit, ne crie rien car je suis avec toi. Mon Dieu présent avec nous, c'est pour nous pas peur en rien. Et pour ça, mon Dieu présent. Mais c'est qui tu ne vas rien nous faire peur pour ça? Nous avons fait la nature. Qui ça nous a fait dans la nature? Dans Psaume 104, verset 4, la Bible dit, bon Dieu fait devant eux, messager, et il fait de flammes du feu, serviteur. Nous avons dit, le bon Dieu est sous la mer, avec dissimulité, calme et tempête là, c'est volé de vous dans là, il dit, pas besoin là, aïe l'autre côté. Parce que c'est messager que eh bien, si vraiment le bon Dieu tout-puissant, il y a la toute-puissance sur la nature, il voulait vraiment aller. Si bon Dieu connaît la place dans la chambre de bataille là, il va finir devant nous. Ouais, ça. Amen. Bon Dieu dit dans le même verset, il dit des flammes de feu serviteurs. Bon Dieu demande ça, oui. Les chats avec mes chats avec des côtés dans du feu. Oui. Du feu, c'est servi. C'est servi, les chats avec mes chats avec des côtés. Et bon, il est fait, c'est servi parce que flamme de feu, c'est serviteur, mon Dieu. Amen. Au contraire, les redescendants sont pillés, les gens du feu qui sont venus.
Alléluia. Dans son 46 verset 2, il dit, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Même si nous sommes tremblement de terre, nous sommes montagnes chavirées, l'homme, nous n'avons pas besoin de rien parce que bon Dieu parle et il présent avec nous. Amen. Amen. Bon Dieu, tu n'as pas besoin de la nature, ni vent, ni du feu, ni la terre, ni la mer. Nous n'avons pas besoin de rien parce qu'il est présent, il est là. Amen. Deuxièmement, avec bon Dieu, dis-nous pas peur parce qu'il est présent, nous n'avons pas besoin de les hommes. Oui. Amen. Bon Dieu, c'est un peu qui, j'en veux vous, les hommes, les méchants. C'est mon qui va gagner cœur, mon qui va convertir. Il dit, nous n'avons pas besoin de faire. Esaïe 40, verset 10, il dit, toutes les nations sont devant moi, contre rien. Même si vous êtes toutes nations rassemblées pour former un bagage. Bon Dieu dit ça, vous n'avez pas rien. Alors, il dit, pour un peu, il dit, il n'y a pas de zèbre avec vous la soupe. Amen. Il n'y a pas qu'à faire. Pour qui ça? Parce que vous n'avez pas contrôle, bon Dieu. C'est ça, bon Dieu dit. Amen. Bon Dieu dit, nous ne devons pas faire la nature, nous ne devons pas faire les hommes. Nous ne devons pas même faire ça. Amen. Amen. Dans Apocalypse 20, verset 1 et 2. Apocalypse 20, verset 1 et 2. Pour le capouet, ça dit. Il dit, puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Vous savez bien? Mais ça, mon Dieu, après il fait Satan, avec un ange seulement. Vous savez bien? Bon Dieu dit, Jésus-Christ, quoi? Lui-même il croit. Et puis il dit, quittez vous un ange, parce que Satan n'a pas rien. Ouh. Et puis bon Dieu dit nous, il mettait tout un jour entouré, nous plaît quand même. Non. Bon Dieu est trop fidèle. Bon Dieu protège nous trop bien. Et ça quand il dit, dans Psaume 27, dans Psaume 27, verset 1 à 3, qui démolit ça pour vous, pour qu'attendez ça, bon Dieu dit. Ou quand je dis tout, ou lire, somme verset de l'éternel avait dit, l'éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je fait? L'éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, ou dévorent ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Amen. Chrétien, il va au petit fils sans gâteau. Non, non. Amen. Et dans la bataille de la plein air, même si nous avons des âmes, même si nous avons tous les privilèges, ce n'est pas nous qui avons pour nous. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le souci. Amen. Amen. Et ça veut dire, nous, ces deux saints figures, hein, nous là, pour nous là. Nous là, mais tout le monde est déjà payé. Même Dieu là, c'est pas nous qui avons fait, c'est bon Dieu. Nous ne sommes pas besoin de rien. Isaac va nous dire dans le psaume 24, verset 8. Qui est ce roi de gloire? L'éternel fort et puissant. L'éternel puissant dans les combats. C'est lui qui a boumé pour l'action de nous. Ça montre que chrétien, qui se sent là, mon Dieu, c'est un vrai boussier. Tout le monde est payé. Amen. Bon Dieu, présent avec lui, mon Dieu, là, pour protéger. Bon Dieu, il nous a pris de quoi? Il va gagner sous d'autres. Ah. Manger tout par payé. Vous n'avez pas besoin d'inquiéter au courant. Oui. Mais c'est qui caractéristique que Bouze ça a gagné? Même si on dit caractéristique que Bouze les hommes gagnent, c'est qui caractéristique que Bouze mon Dieu a gagné? Bouze les hommes gagnent, à son laïo, c'était un Bouze partiel. C'est quelque bagaille qui a payé pour vous, il n'y a pas qu'à payer tout. Bouze les hommes gagnent, c'est un Bouze qui est relatif. Ça veut dire qu'il dépend de circonstances, il dépend de si ou en état toujours pour bénéficier. Bousse les hommes, mais là, son bousse qui est temporel. Si ou dans la main toujours à bénéficier, mais ça, ou pas qu'à jouer, si ou dans la main, ou pas bon, si ou pas dans la main, ou pas bon. Ça, c'est temporel. Mais bousse, mon Dieu, pour moi, première caractéristique, son bousse qui est complet. Amen. Total. Bousse la complète total, c'est parce que. Bon Dieu dit, il va nous toutes âmes. Non, là, il dit, prenez toutes les âmes. Toutes âmes, vous voulez, quoi. Bon Dieu dit, énumérez, vous ça complète. Vous ça complète parce que, boussier, il protégeait de tout danger. Amen. Bon Dieu dit, aucun malheur ne t'arrivera.
aucun fléau n'approche à nos attentes, sont aussi complètes. Amen. Bousse ça, il complète parce que mon Dieu dit, pas faire rien. Ni votre Seigneur, les peurs, dans Isaïe 42, verset 10. Amen. Et bousse ça, il complète, il total. Parce que mon Dieu dit, pas côté rien, n'apporte tout bagage. Amen, amen. Deuxième caractéristique que vous savez, sont bousses qui sont inclusives. Inclusives. Les hommes gardent, est-ce qu'on est force? Est-ce qu'on sont jeunes monde? Et au fur et à mesure, il y a des gens dehors. Yo, ouais, est-ce qu'on est paralysé? Yo, pas pour même. Mais mon Dieu dit comme ça, quel que soit sexe, quel que soit l'âge, quel que soit race, quel que soit condition physique, pour y être, de tout Dieu libre, mon Dieu. Amen. Et ça, c'est un ange, j'en sais, qui dit quiconque. Oh, n'importe quoi. Quelle que soit la façon pour y être, quiconque. Ou gardez son bouche, son bouche qui est inclusive. Troisième caractéristique que vous savez, son bouche qui est absolue. Songez que bouche les hommes, là, c'était un bouche qui était relative. Mais ça, son bouche qui est absolue. Les hommes, les abeilles tous, ils abeilles tous dans un moment précis. Mais ça, bon Dieu fait. Bon Dieu payé pour vous. Il prenait même pour nous. Vous prenez même une journée, non? Il était déjà payé. Ça que il dit que debout une journée, toutes péché ont été faites. Depuis avant de convertir, debout une convertie, il paye tout. Vous ça a commencé dans le passé. Dans 1 Corinthiens 6, verset 20, il dit, nous avons été rachetés à un grand prix. Bon Dieu payé pour nous dans le passé. Et avec l'homme converti, péché ont été faits. L'homme à l'ouest, péché à l'est. L'homme à l'est, péché à l'est. Bon Dieu payé, absolument. Bon Dieu, non seulement il paye sa passé, mais il paye le présent. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Chaque jour levé à vivre, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Chaque jour levé à vivre, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans le présent. Et pour ça, non seulement dans le passé, dans le présent, mais dans le futur. Dans mon lit avec moi, Josué. Josué chapitre 1er, verset 5. Josué 1er, verset 5. Verset 5, il dit que. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc, bon Dieu dans le futur dit, il va bien blaguer nous, il va bien abandonner nous. Là, toujours présent, son bousquet absolu dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc, chrétien, va vous inquiéter pour avenir comme l'avenir, parce que bon Dieu dit, là, avec vous, quel que soit temps, après 10 ans, après 20 ans, tout en vie, bon Dieu dit, là, avec vous, il va bien blaguer, il va bien abandonner. Amen. Non seulement pour ça complet, pour être nous, il est inclusif et absolu, mais pour ça, il est éternel. Amen. C'est pas qu'on est en guérison, non, après il finit, non, mais la voilà pour tout le temps. Amen. On nous lit dans Esaïe 51. Esaïe 51. On a lié verset 6 seulement. Esaïe 51, verset 6. Mais ça veut dire qu'il montre nous bousses là, son bousse qui est éternel. Il dit comme ça. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement. Et ma justice n'aura point de fin. Amen. Amen. Salut que mon Dieu va être loin. Il va jamais finir. N'a pas joui ça éternellement. Parce que c'est bon Dieu qui va être. Alléluia. Frère Samuel, nous sommes campés par vous. Yo soldats dans l'armée des hommes. Mais comment les hommes viennent des soldats? Les hommes ont quelques bagages, quelques privilèges. Nous campons pour vous le soldat de Dieu qui c'est le vrai boursier. Les bon Dieu va vous toutes bagages. Vous bénéficiez de protection mon Dieu. Bon Dieu va vous toutes âmes. Vous bénéficiez de privilèges, de présence mon Dieu. Bon Dieu là avec vous tout partout. Même si bataille là n'importe côté, bon Dieu là avec vous. Vous bénéficiez de toute bagages avec mon Dieu. Et bon Dieu protège vous de tout danger. C'est ça qu'elle nous dit, le soldat de Dieu, le vrai boursier. Amen. Dans le film message là, vous pouvez pas attendre pour qu'on passe un pile de temps au chita. Moi, par exemple, mon action, c'est moins que vous avez.
N'a fini message là pendant que nous avons présenté quelques exemples de boursiers, de monde que mon Dieu t'a payé pour eux. Parce que là, il nous dit combien Moïse t'a payé. Combien il a déboursé pour être élevé dans la cour de Pharaon. Là, il nous dit combien Moïse t'a déboursé, combien corps il t'a payé. Puis il a pris soin du peuple Israël dans le désert avant de 40 ans. Nous nous dit, deuxièmement, combien Joseph t'a déboursé, combien il t'a payé, puis t'es venu premier ministre dans un autre pays, combien il t'a payé pour ça. Nous nous dit, combien Élie t'a payé. Combien Élie t'a payé pour lui-même seul, devant 850 prophètes Baal, ils ont tous allé lui-même seul, ils voulaient le pour ça. Combien il t'a payé. Amen. Nous nous dit, combien Daniel t'a payé. Combien d'années t'es déboursé pour te faire yo-yo dormir? Est-ce que t'es payé pour descendre parler avec yo-yo? Est-ce que t'es combien t'es payé pour ça? Nous nous disons combien les trois jeunes hébreux t'es payé. Combien t'es payé pour te aller dans la fournaise là, entrer là-dedans, une fournaise qui t'est chauffée extraordinairement, alors que tu as marché très posé dans la fournaise là. Nous nous disons combien Jonas t'es payé. Combien Jonas t'a déboursé? Puis t'es resté en vie 3 jours dans le ventre de poisson, sans pas mourir, puis t'es sorti victorieux. Combien t'es payé? Nous nous disons combien nèg qui t'es paralysé devant la piscine pendant 38 ans t'es payé. Dans l'ultime moment, mon Dieu dit, prends vie ou marche, il t'est marché. Combien docteur t'es sous? Nous disons ça. Nous nous disons combien Mardochée t'es payé. Combien Mardochée t'es déboursé? Puis t'es entré dans le cerveau, roi. Puis t'es fait roi après un livre là. Puis t'es lu, ça a été fait pour lui. Pendant que Amon est prêt pour te faire tuer. N'avez-vous dit combien t'es payé? N'avez-vous dit combien Paul a dit là t'es payé? Combien on t'es payé là on est en prison? Ou chaîne on est cassé? Ou on est sorti? Sans que on va l'ouvrir pour tout pour tout porter l'ouvrir. Parce que pour Dieu t'es l'ouvrir. Combien on t'es payé? N'avez-vous dit combien peuple a t'es payé? Combien de monde nous avons été à piquer Muraille là? Là, on est fait 7 tours Muraille Jéricho qui est tombé. Combien vous avez payé? Nous avons nous dit nous-mêmes, combien nous payons pour nous vivre aujourd'hui? Depuis la nuit de commerce, misère nous a passé, tracas, difficultés. Et combien nous payons pour lutter contre Satan? Qu'a fait là chaque jour? Et combien nous payons pour saluer l'éternel Dieu? La Bible dit de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous-mêmes c'est boursier, mon Dieu. C'est parce que mon Dieu paye tout bagage. Et ça, quand dans Esaïe 26, pour finir, dans Esaïe 26, verset 12, on a pris ça pour vous. Esaïe 26, verset 12, il dit que Éternel, tu me donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis. Il n'y a rien à faire, c'est nous qui faisons. Tout ça n'a fait l'être, l'activité nous. La Bible dit c'est bon Dieu qui fait pour nous. Il ne va nous faire rien. Amen. Le soldat de Dieu le vrai boursier. Non, mais maintenant, est-ce que vous-même c'est vous conscient pour son soldat pour Dieu? Est-ce qu'un jour vous êtes converti? Vous êtes reçu à Jésus-Christ dans la vie ou vous êtes converti? Est-ce que vous connaissez son soldat pour Dieu? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Amen. Si vous êtes conscient de ça, bon Dieu va vous boursier complet. Bon Dieu, on va avoir un bourse qui est absolu. Bon Dieu, on va avoir un qui est éternel. Et c'est ça que vous devez répéter, même dans Genèse 32, 10, dit, je suis trop petit pour toutes ces grâces. Nous trop petits pour recevoir toutes les grâces, mais bon Dieu, moi-même comme chrétien. Et vous-même qui m'a converti. Vous connaissez dans la semaine ça, en pile le monde a été passé, en pile comme la peine du nom. En pile comme le monde. Dans toutes les championnats. Et ça, Satan va avoir un bagage pour mettre sous vous. Vous mettez sous petit mounou, vous mettez dans vos oreilles, vous protégez votre travail, dans le marché, vous mettez hier. Mais attendez bien, vous connaissez bien, toutes dépenses là, c'est folle dépenses pour vous. Il ne va pas dire qu'il y a. Mais mon Dieu dit, bouche sacrée là, inclusive. Quel que soit péché, rouge, c'est pour cramoisir. L'homme, il vient de la feuille blanche pour la neige. Est-ce que vous voulez quitter tout le bagage là, ou garder une joie, mon Dieu, n'est pas de hier, même sous malade? N'importe où il y a mon Dieu dit, ou à bien soldat quand même, parce que bon Dieu va garder souffle du monde. Il va garder qui monde, mon Dieu va faire favoritisme. Et ça quand il dit dans Matthieu 26, venez à moi,
Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Troisième, nous-mêmes, c'est boursier, mon Dieu. Bon Dieu paye tout pareil pour nous. Nous ne pouvons pas gagner pour nous payer et nous ne pouvons pas gagner pour nous payer. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Est-ce que nous avons vécu, mon qui va convertir, et nous-mêmes qui chrétiens, est-ce que nous avons vécu tant que nous vrai boursier, que nous ne pouvons pas douter, nous ne pouvons pas inquiéter que mon Dieu paye. Amen.